17 ans d'existence, ProCredit Bank a su convaincre la population congolaise, établir son ancrage et s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec une centaine de milliers de clients, la banque occupe une place de choix dans l'espace bancaire en RDC. Elle a ainsi réussi à se rendre incontournable dans le milieu des affaires grâce à la qualité de ses produits et services. Je suis un client satisfait, un client ravi d'avoir eu une banque enfin en RDC qui pouvait écouter les clients et qui pouvait apporter un service de qualité. Dans mes premiers jours avec la banque, je suis allé travailler à l'étranger. Et j'étais en Jamaïque et en Haïti. Et en ce moment-là, j'étais payé par mon entreprise à travers la banque ici. Et donc, j'étais obligé d'utiliser la carte Visa. Parmi les tout premiers clients qui ont utilisé la carte Visa, je crois dans les années 2006-2007, le service d'accès à son compte par Internet, pour moi, c'était un game changer. C'est quelque chose qui a changé complètement ma façon de faire les transactions avec la banque. Donc j'avais accès à ma banque à travers Internet et moi, pour moi, c'était une des innovations majeures. Nous avions apporté tout ce qui était technologie bancaire de pointe au niveau du pays pour accompagner cette clientèle-là. Donc le premier distributeur automatique de billets, c'est nous qui l'avons introduit au Congo. Les cartes bancaires, les terminaux électroniques de paiement, nous avons apporté cela dans ce pays pour impulser cette dynamique de développement. Aujourd'hui, la banque entame un nouveau virage dans son parcours. Meilleure banque d'Afrique en 2018, elle devient Equity Bank. Nous sommes passés dans une phase de co-branding pour avoir les deux marques ensemble. Donc les deux logos, le logo ProCredit et le logo Equity. Le processus qui est maintenant en train d'être finalisé, c'est le processus d'affirmer le leadership de Equity Bank Congo comme actionnaire majoritaire, comme l'institution qui change de dénomination. La cérémonie grandiose de ce passage en dit long sur les nouvelles ambitions de cette institution. Par ProCredit Bank Congo a contribué à la renaissance du système bancaire congolais en lui offrant une technologie de pointe pour le rendre plus inclusif. L'entrée en capital du groupe Equity Holding PLC dans la structure actionnariale de ProCredit Bank Congo a été effective et approuvée par la Banque centrale du Congo en septembre 2015. C'est ce qui justifie le co-branding de ProCredit Equity qui a duré plus de 2 ans. Et voici le geste qui inaugure cette nouvelle ère avant de dévoiler l'enseigne identitaire à laquelle sa clientèle devra désormais s'habituer. It's a day that we are witnessing a dream come true, seeing equity extend beyond the boundaries of East Africa and become an anchor bank in Central Africa by having a presence in DRC. I want to really appreciate the warmth with which we have been received and the support we have received from the government of Congo. His Excellency, the governor of the Central Bank has hosted us 3 times, while the Prime Minister of the Republic of Congo has hosted us twice. And our discussions and conversations have continued to improve the operating environment of the banking industry in this country. Une transition qui s'inscrit dans une logique de continuité et d'amélioration des services et produits adaptés aux besoins des Congolais. Des innovations seront ainsi nombreuses. Ce parcours est à la fois créatif et contributif pour la promotion de l'inclusion. Et ce modèle économique, ce business model,
doit être soutenu, doit être appuyé. Au regard de nos conditions, un capital social très confortable. Equity Bank hérite du passé glorieux des ProCredit Bank et veut y apporter plus d'innovation, de développement et de proximité avec les Congolais. C'est donc une nouvelle page d'histoire qui vient de s'ouvrir dans le secteur bancaire en RDC.